profondément à l'intérieur, observez. Écoutez. Ressentez. Lorsque la conscience a des idées qui concernent le monde extérieur, à ce qu'elle doit faire, à ce qu'elle fera, ou toutes sortes de pensées qui concernent la journée, cela veut dire que la conscience est tournée vers l'extérieur. Il nous faut une intention franche et sincère de revenir à l'intérieur. Pour nous détacher de l'importance que nous donnons au monde extérieur et maintenant donner de l'importance au monde intérieur. Si nous faisons ça, alors il n'y aura pas ou très peu d'idées qui iront vers l'extérieur, très peu d'impulsions ou d'intentions qui iront vers l'extérieur, parce que nous serons déjà détachés de l'importance que nous lui accordons. C'est le point clé par lequel nous commençons la pratique. Donner de l'importance à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Et nos pensées, naturellement, arrêtent de valoriser l'extérieur ou le font de moins en moins. Pour que l'expérience intérieure grandisse, se développe, devienne de plus en plus importante dans notre conscience, dans ce moment. Maintenant, il nous faut concentrer notre conscience pour aller plus profondément. Observez à l'intérieur de la tête. Observez, souriez. Écoutez, ressentez. C'est chez vous à l'intérieur, ce n'est pas chez quelqu'un d'autre. Vous êtes maître en la demeure. Le maître sourit. Et l'intérieur sourit. L'amour universel est présent. Le maître se détend et l'intérieur de la tête se détend. C'est chez vous. Sans aucun besoin de le maîtriser ou de le posséder, c'est déjà chez vous. Détendez-vous profondément, souriez profondément. C'est comme une légèreté à l'intérieur, c'est comme un relâchement. À l'intérieur, nous sommes en sécurité. Et nous sommes bien, c'est spacieux et confortable. C'est un bel intérieur. Maintenant, nous allons dire Shenji et observer comment l'espace intérieur se transforme, particulièrement comment le centre de la tête va tout doucement se mettre à vibrer au fur et à mesure des Shenji. Nous allons le dire à voix très basse ou en silence. Allez-y.
Si la conscience a du mal à se concentrer, nous pouvons utiliser un peu de voix pour pouvoir plus facilement rassembler notre esprit. Mais si la conscience est déjà détendue, simplement le dire en silence, en ne bougeant que la bouche, est bien meilleur pour activer le chi profond et amener la conscience dans des états plus concentrés et plus paisibles. Le centre de la tête, le palais de Shenji, vibre doucement et le chi s'accumule de plus en plus abondamment dans le centre de la tête. C'est l'effet de Shenji d'accumuler le chi dans le centre de la tête. Nous savons que le centre de la tête, c'est la base de la conscience. C'est dans cette zone que le chi des cellules neuronales ont fusionné. Toutes les cellules cérébrales ont fusionné de manière tellement particulière que la conscience humaine a pu apparaître. Ce champ de chi est dès lors très important pour notre conscience. Plus il est puissant, plus notre conscience peut être forte, stable, pénétrante, claire. Détendez, souriez. Si vous ne pouvez pas détecter facilement le centre de la tête, ce n'est pas grave. Simplement observez ce qui vibre. Plus vous serez détendu, plus le chi sera abondant, plus vous pourrez détecter facilement le centre de la tête. Ce n'est pas une prise de tête, c'est une prise de conscience. Se prendre la tête ne vous y aidera pas. Mais se détendre vous aidera beaucoup. Sourire vous aidera beaucoup. Écoutez chaque Shenji clairement. Vivez chaque Shenji clairement. La conscience devient très concentrée et très claire. Détendez, détendez l'intention de dire Shenji. Ne soyez pas trop sérieux. Dites Shenji entre les sourcils, dans l'espace de Yintang, et laissez un sourire s'ouvrir dans Yintang. Le sourire se connecte avec le palais de Shenji et se détend. Le palais de Shenji s'ouvre et fusionne avec tout l'espace du Tantien supérieur, clair et transparent. Le palais de Shenji s'ouvre et fusionne avec tout l'espace du cerveau, clair et transparent. Toutes les cellules cérébrales claires et transparentes. Le chi de la conscience est abondant. Yuan Ti Chi est abondant.
Notre conscience n'existe pas de manière isolée. Parce que notre conscience ne peut pas être mise dans une boîte. Naturellement, notre conscience occupe tout l'espace et nos consciences se connectent l'une et l'autre. C'est comme deux instruments de musique qui mêlent leur lumière. Comme le soleil et la lune qui brilleraient en même temps et mêleraient leurs rayons. Nos consciences se réunissent et forment un champ de conscience. C'était déjà le cas, mais nous n'en étions pas conscients. Parce que votre conscience ne peut pas être mise dans une boîte, on ne peut pas en définir les pourtours. Elle s'ouvre dans l'espace naturellement et se connecte naturellement ensemble. C'est ce que nous appelons le champ de conscience. Et comme il n'est pas limité qu'à nous, c'est un champ de conscience qui est mondial. Dans le Dzogchen Qigong, on l'appelle Yi Yuan Ti, le champ de conscience unifié. Notre conscience personnelle, votre expérience personnelle de ce moment, est l'expression de ce champ de conscience unifié. Nous sommes une enveloppe, nous sommes le champ de conscience qui a pris corps et qui a une relative indépendance. Nous pouvons penser « je suis » et nous. Le champ de conscience unifié, c'est le champ de conscience mondiale, le grand champ d'amour de tous les êtres humains. Ouvrez complètement votre cœur pour être touché. Ouvrez complètement votre esprit, c'est comme un sourire qui s'ouvre. Détendez, relâchez. Dans le champ de conscience unifié, toutes nos consciences se soutiennent et rendent plus facile à chacun d'être conscient. De sorte que vous n'avez pas à faire l'effort uniquement par vous-même, mais que tous ensemble nous nous soutenons. C'est pour ça que c'est un champ d'amour. Un champ de conscience et d'amour qui s'ouvre dans l'univers. L'univers, c'est là d'où nous venons. Tout vient de là. Le chi qui nous anime et qui forme notre corps vient uniquement de l'univers. Nous sommes pur chi qui jusque dans le chi originel. Notre champ de conscience et d'amour est originel. Très pur. Et transformateur. Vous voyez, il y a la conscience et le champ de conscience mondial, et il y a le chi originel, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous pouvons volontairement nous unir au chi originel ou ne pas nous unir au chi originel. C'est un acte conscient. Cette qualité de conscience est humaine.
dans les grands espaces originels. Nous pouvons être pleins de gratitude pour la vie qui nous anime. Qui nous chérit. L'amour universel prend soin de nous comme de tous les êtres et nous pouvons avoir une immense gratitude pour ça. Avec la terre et les animaux qui nous nourrissent, l'air qui nous permet de respirer. Sans ça, il n'y aurait pas d'existence physique. Nous ne pourrions pas apparaître. Nous pouvons être pleins de gratitude pour la terre, la nature et les animaux, le ciel. C'est grâce à eux tous que nous existons. Et c'est avec eux tous que nous existons. Nous sommes eux, ils sont nous. Parce que tous nous sommes l'univers. Et nous venons tous de l'univers. Un jour, il n'y avait pas la terre, il n'y avait que de l'espace. Et l'espace s'est condensé pour faire apparaître de l'énergie, qui s'est condensé pour faire apparaître des poussières, qui se sont condensées pour former des cailloux, qui finalement sont devenus cette terre, à travers des milliards d'années d'évolution lente, et sereine, silencieuse. C'est ce que nous sommes. C'est ce qu'est la terre, ce qu'est tous les êtres sur terre et toute la nature. Et nous en sommes conscients. Et ce n'est pas une prise de tête, c'est une prise de conscience. Depuis très profondément à l'intérieur de nous, très très profondément, dites « chut » silencieusement. Détendez, souriez. Chu permet d'harmoniser de plus en plus profondément l'espace et de le rendre de plus en plus vide, uni. Tout l'espace de notre être s'harmonise de plus en plus finement avec l'univers
et devient de plus en plus stable et serein, silencieux. Détendez de plus en plus votre intention de dire Chum, et vous pouvez le dire simplement en pensée. La pensée Chum apparaît dans la conscience, et vous avez conscience de chaque Chum qui apparaît et disparaît. Tout l'espace de notre être devient de plus en plus fin, transparent et vide. Tout se détend de plus en plus, comme si vous alliez vous endormir. Laissez-vous aller dans l'univers comme vous vous laisseriez aller dans votre lit moelleux. Comme vous vous laisseriez tomber dans votre canapé après une bonne journée. Laissez-vous aller, laissez-vous tomber dans l'univers. Très bien. Maintenant, observez l'intention de dire Chum. Juste avant la pensée, observez que vous avez la volonté, la motivation de dire Chum, et simplement prenez-en conscience. Cela ne change rien, c'est juste que vous avez conscience de ce moment de motivation, de ce moment d'intention, de volonté. Cela permet d'observer des espaces plus fins, plus pénétrant. Et c'est très sain pour la conscience, pour tout le corps de Chi et tout l'univers. Prenez conscience, mais ne vous prenez pas la tête. Faites la différence entre les deux. Très bien. Notre conscience devient de plus en plus pure, claire et lumineuse, transparente. Et de plus en plus présente. Et c'est tous ensemble, notre champ de conscience unifié nous soutient. Ce grand champ d'amour nous soutient. Et rend tout plus doux et plus tendre, plus détendu. Vous
pouvez vous relâcher très profondément. Chu est en train d'ouvrir tellement profondément l'amour universel en nous. Nos pensées deviennent si fines. Si pur. Et nous rentrons dans l'état de conscience du Chu qui se déploie dans tout l'univers. L'information de Chu devient la réalité de notre conscience. Nous devons être proches de 8 heures, j'imagine, pour ceux qui doivent mettre en mouvement le chant de chi. Jouez à rester avec nous. Nous restons avec vous. Tout le corps de chi est chu. Toute la conscience est chu. Tout le champ de conscience unifié est chu. Tout le champ de conscience mondiale est chu. L'univers est chu. À l'intérieur, c'est l'univers. À l'extérieur, c'est l'univers. La peau s'ouvre dans le champ de chi. Les muscles et les tendons, les ligaments, chu, fusionnent dans l'univers. Le système nerveux, chu, s'ouvre dans l'univers. Circule très bien, fusionne dans l'univers, le système sanguin, continuez à dire chu en pensée. C'est comme une petite lumière qui s'allume à chaque chu. Une pensée comme une petite lumière ou comme une petite vibration, un petit stimuli dans la conscience. Et toute la conscience en écho réagit. Jusque dans l'univers. Détendez de plus en plus votre intention
votre volonté. Tout le système sanguin, la conscience est tellement pure, l'information de chute tellement pénétrante, tous les globules rouges changent, tous les globules blancs changent. Toutes les membranes, tout le système sanguin partout change. Tous les composés du sang changent et reviennent vers les moelles qui changent. Juste restez présent à chaque chute et détendez. Toutes les moelles deviennent si pures. C'est le champ de conscience mondiale, le pur chi de l'univers. Tout est chute et les moelles deviennent chute. Le cerveau devient chu, les poumons, le cœur, chu. Tout est transparent et pur, vide, ouvert et présent. Poumons, le cœur, tout le temps de tienne médian. Les épaules et les bras sont l'extension du temps de tienne médian. Tout le corps est l'extension du temps de tienne médian. L'univers est l'extension du temps de tienne médian. Tantienne inférieure, Ruiyin doucement fermée vers le haut, tout le Tantienne inférieur si pur, si vide. Détendez-vous, souriez, pensez chu doucement en observant le Tantien inférieur, mais le Tantien inférieur est déjà devenu tout le corps de Qi, tout l'univers, tout est sur la même fréquence que le Tantien médian. C'est l'extension du Tantien médian inférieur. Le Tantien inférieur de plus en plus profondément
À l'intérieur, c'est l'univers. C'est le grand vide. Mi'kmaq s'ouvre dans les galaxies. Tout le Tantien inférieur se relâche de plus en plus profondément et s'harmonise de plus en plus finement avec l'univers. Le bassin et les jambes. Le bassin et toute la colonne réunit les trois Tantien en un centre. Tout le corps de Chi uni. Tout le champ de conscience uni avec le chi de l'univers et tous les êtres, tous ceux que nous aimons, notre cœur les connecte instantanément. Tous ceux qui nous aiment. Il n'y a pas besoin même d'y réfléchir. Le cœur sait tout ça. Connaît l'amour. Le Tantien supérieur maintenant pensez Shenji. Doucement dans le Tantien supérieur. Vous percevez la pensée de Shenji qui apparaît et qui disparaît. Maintenant, prenez conscience que vous observez cette pensée apparaître et disparaître. Shenji apparaît et disparaît et vous le savez. Et notre pratique évolue au niveau de Ming Tuen. D'abord, nous nous sommes unis avec le vide très finement. C'est une fondation pour observer la conscience elle-même très profondément. Ming, tu es présent et clair. Fusionne avec tout le corps de Chi, fusionne avec tout le champ de conscience unifié qui devient un champ de Ming Juen. Fusionne avec l'univers, c'est l'univers qui évolue au niveau de Ming Juen, au niveau de la conscience en éveil. Nous ne sommes plus simplement conscients, maintenant notre conscience est en éveil.
Observez chaque pensée, chaque shunji. Très détendu, très relax. Il y a un shunji qui apparaît et la conscience est présente à ce shunji. Puis le shunji disparaît et la conscience est encore présente. Prenez conscience que c'est comme un grand miroir dans lequel Shunji apparaît. Nous envoyons l'information de Shunji et Shunji apparaît, se reflète dans le miroir de la conscience. Shunji disparaît et l'espace se reflète dans le miroir de la conscience. La conscience s'unifie vous êtes Mingjue et Shunji apparaît à l'intérieur de vous. Le grand miroir épouse tout l'univers et c'est un miroir sans limite qui reflète chaque Shunji librement. Détendez, souriez. Tendez votre intention de dire Shunji et dites-le plus finement. Vous êtes en train de vous observer vous-même, dire Shunji. Alors l'observateur fusionne avec lui-même. Nous devenons l'observateur. Observez chaque Shunji clairement. Et l'information de Shunji apparaît à l'intérieur de vous. À l'intérieur de nous, dans notre champ de conscience unifié. Dans notre champ de conscience mondiale,
ce grand chant d'amour. Nous sommes le chant de conscience. Détendez. Mingjue est présent. Et chaque Shanji qui apparaît nous renvoie à nous-mêmes. Chaque Shanji apparaît à l'intérieur de nous. Observez, détendez. Il n'y a pas d'extérieur. Tout se produit et est perçu à l'intérieur de nous. Mingjue devient de plus en plus puissant et stable. Et naturellement reçoit de plus en plus d'informations du moment présent. Mais Mingjue ne s'en soucie pas. Tout ce qui est perçu nous renvoie à nous-mêmes, au fait que nous percevons. Au lieu que la perception nous attire vers ce qui est perçu, percevoir nous attire vers le processus de perception. Nous amène à prendre conscience que nous percevons. Très bien. Quoi que nous percevions, cela nous renvoie à nous-mêmes. Nous percevons, c'est cela que nous remarquons. Maintenant, ralentissez les shunji et prenez le temps de vivre l'espace entre les shunji. Et jouez ensuite à relancer des shunji et à les voir apparaître à l'intérieur de vous. Et disparaître. Toutes nos consciences se soutiennent, notre champ de conscience est unifié.
avec tout le champ de conscience et d'amour. Depuis les premiers pratiquants, les premiers éveillés, qui ont fait le souhait d'éveiller toute l'humanité pour qu'elle devienne heureuse, aimante, saine et épanouie. Que chacun devienne tellement confiant et tellement aimant. Cette intention a passé les milliers d'années jusqu'à nous et nous anime. Anime tout le champ de conscience unifiée, tout le champ de conscience et d'amour. Tout le champ de conscience mondiale. Tout l'univers est en éveil et reçoit l'intention de s'éveiller. Jusque très loin. Très loin, très loin. Nous aidons si profondément toute l'humanité et la vie. Ça a tellement de sens. Maintenant, tout le champ de conscience unifié revient dans le Tantien supérieur. Si pur. Toutes les sensations du Tantien supérieur apparaissent à l'intérieur de nous. Tout se recentre. Mingjue, pur et présent, s'ouvre dans l'univers. Dans tout le champ de conscience et d'amour. Tout le champ de conscience et d'amour évolue au niveau de Mingjue et revient à l'intérieur du corps de Qi. Qui évolue au niveau de Mingjue. Devient en éveil. C'est ça, évoluer au niveau de Mingjue. Devenir en éveil.
est en train de s'illuminer. C'est ce qui arrive au chi qui est en éveil. Il est en train de s'illuminer. Du fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors ouvrez complètement dans l'univers. Yingzhui ouvre complètement dans l'univers. Jusque dans le pur chi de l'univers. Yingzhui devient le centre de l'univers. Yingzhui et le pur espace reviennent à l'intérieur, au centre. Dans le Tan Tien supérieur. Le cou et la gorge. Les épaules, tout devient instantanément si pur et harmonieux. C'est tellement harmonieux que l'on pourrait ne pas s'en rendre compte. Tellement c'est pur. Dans les bras. Depuis l'intérieur des bras, s'illumine. Le Tan Tien supérieur, le cou et la gorge, les épaules et les bras s'illumine. Yingzhui, présent, s'illumine. Illumine le Tan Tien médian. Les poumons, le cœur, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac. La rate, les reins, les intestins, la vessie et le système reproducteur. Nous sommes en train d'utiliser les fonctions de Yingzhui, de choisir l'information, envoyer l'information, d'observer, pour améliorer le corps de Qi. De la même manière dont nous avons utilisé les fonctions de Yingzhui pour amener l'univers en éveil, tout le champ de conscience en éveil. Utiliser les fonctions de Yingzhui, c'est purifier Yingzhui. Nous pouvons dire utiliser les fonctions de Yuanti, du champ de conscience unifié, c'est purifier Yuanti.
dans le bassin, tous les os, les articulations, très 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 finement, les moelles, les cellules. Les membranes de toutes les cellules se changent en chi. Fusionnent dans l'univers. L'ADN. Fusionne, échange. Et nous venons de changer notre expression génétique. Ce que l'univers a mis des milliards d'années à mettre au point, la conscience en un instant le fait évoluer au niveau de Mingjue. La conscience a des capacités que l'univers n'a que en potentialité. Mais la conscience humaine peut les utiliser complètement, pleinement. Fusionner avec tout l'univers et faire rayonner notre plein potentiel qui nous renvoie à nous-mêmes. Nous sommes en éveil. Nous ne sommes arrivés nulle part. Nous pouvons apprécier l'expérience. Tout évolue constamment, s'approfondit constamment, de plus en plus pur, de plus en plus profond, de plus en plus stable. Le bassin et les jambes, les hanches, les cuisses, les genoux. Les mollets, les chevilles, les pieds, le chi des jambes connecte avec le palais de Mingmen, à travers les jambes, à travers les bras, à travers toute la colonne. Tout connecte avec le palais de Mingmen. Tout l'univers revient au palais de Mingmen. C'est l'arrière du Tantien inférieur. La conscience se repose dans le palais de Mingmen.
tout le champ de conscience s'est unifié. Et le palais de Mingmen est son centre. Clair, harmonieux. Appréciez ce moment de repos où nous nourrissons le chi et la conscience elle-même depuis sa racine. Vous pouvez ressentir la respiration du corps de Chi très douce, calme, sereine. Le Chi de tout l'univers, de tout le... c'est tout le champ de Chi. Tout le corps de Chi qui se rassemble dans le palais de Mingmen. Et Mingjue observe. Mingjue se rassemble. Plutôt, le palais de Mingmen se rassemble dans Mingjue. Les informations de cette nuit et de cette pratique se rassemblent, tout le chi se rassemble et s'intègre. Dans chaque cellule, dans chaque noyau, dans chaque ADN.
Tout l'univers et trois centres s'assemblent à l'intérieur du palais de Mygmann. Rappelez-vous ce que vous voulez vraiment. Prenez-en conscience, ne vous prenez pas la tête. Puis doucement, ramenez les bras et les mains pour superposer sur le nombril les Lao Gong. Séparez les mains doucement. Et bougez depuis l'intérieur pour vous sentir bien partout. Confirmez que tout va bien partout. Finir dans le palais de Mygmann ou commencer dans le palais de Mygmann. C'est important pour travailler Ming Chuan. Ça permet vraiment de tout rééquilibrer et de tout nourrir. Vous pouvez masser le visage. Vous pouvez masser particulièrement sur des zones qui ont travaillé dans votre corps pour bien faire circuler le chi et le sang. Que tout redevienne harmonieux dans la zone. Comme ça, progressivement, une méditation à la fois, un moment à la fois, tout va redevenir harmonieux et circuler librement. Ah, j'ai oublié d'annoncer qu'aujourd'hui, à 14h, on peut retrouver le professeur Wei pour un soin. Beaucoup d'entre vous ont déjà l'information. Waouh, mais vous êtes super nombreux. Merci beaucoup de donner ce temps, de prendre le temps de faire ça ensemble. Ça a tellement de sens ce qu'on fait. Pour notre vie, pour la société, pour nos familles, pour nos amis, pour l'humanité. On est vraiment utile chaque matin. Utile pour nous,
utile pour tous, utile pour la vie elle-même. Et ça dépasse très largement notre société maintenant ou notre humanité maintenant. On fait partie de l'essor de l'humanité qui va vers l'éveil, l'harmonie, la santé, qui va vers un monde nouveau. Lorsque l'humanité sera libérée des fixations les plus importantes dans le cadre de référence, alors tellement de souffrance aura disparu. Et nous pourrons dire, comme il est dit dans les évangiles, de souffrance et de douleur, il n'y en aura plus, parce que l'ancien monde s'en sera allé. C'est pas pour être chrétien que je dis ça. C'est juste parce que c'est vrai. Un jour, la souffrance aura été tellement diminuée sur la surface de la Terre. Les plus grandes fixités auront disparu. Il ne restera que des petites fixités. On pourra toujours purifier, purifier, purifier plus encore. Mais les plus grosses fixités, celles qui créent tellement de conflits inutiles, d'avidité inutile, de destruction inutile, celles-ci s'arrêteront. Parce que ce mouvement a commencé depuis l'aube des temps et continuera jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas vraiment un point de vue. Ce n'est même pas une foi. J'ai confiance dans le processus de l'humanité. J'ai confiance quand je vous vois chaque jour venir participer, faire de votre mieux, donner votre présence, votre temps. J'ai confiance dans le fait que l'humanité partout, dans toutes les spiritualités du monde, dans toutes les civilisations du monde, dans tous les groupes de réflexion, d'action du monde entier, les OGM, je pensais au nom anglais, les organisations non gouvernementales, les ONG, voilà. Les OGM, c'est rigolo. Des organismes génétiquement modifiés. Nous tous sommes faits de notre mieux avec les compétences qu'on a à tous les niveaux, et ça c'est l'humanité. On fait le pire, on fait le meilleur, mais le pire vient toujours de notre confusion et de notre maladresse. Et le meilleur vient de notre cœur et de notre volonté active. C'est un acte volontaire. C'est un acte d'ouverture. C'est un acte d'amour que nous partageons chaque matin. Et ça me donne confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Profitez et on se retrouve donc à 14h, le professeur Wei. Si vous n'avez pas le lien, je peux vous le donner. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Non, ça va.